Donc j'ai la charge d'introduire les prises de parole. Donc le 21 septembre dernier était adopté à titre provisoire le CETA dans 28 pays d'Europe. Ceci sans que la population ne soit consultée, ni même pour la France la représentation nationale. C'est un sujet tabou. Le CETA a été pratiquement absent du débat des dernières élections. Aujourd'hui encore, à l'heure où certains s'affligent du peu d'adhésion des citoyens pour l'Europe, de nombreuses personnes n'ont jamais entendu parler de ce traité intercontinental ou en ignorent les grandes lignes. C'est tout à fait remarquable si l'on songe à l'acharnement de la Commission européenne à le faire aboutir, ainsi qu'aux conséquences qu'il aurait s'il était validé sur notre quotidien comme sur la vie politique de notre pays. Le but premier du CETA est de permettre le maximum d'échanges de produits et de services entre le Canada et l'Union européenne. Cet accord ne s'arrête pas à la baisse des droits de douane. Il menace les normes actuelles et futures dans tous les domaines, y compris l'alimentation, la santé, le climat et l'emploi. Là où il faudrait que le droit social, environnemental ainsi que les exigences agricoles et climatiques priment sur le business, le CETA consacre la primauté du droit commercial et des intérêts du secteur privé sur l'intérêt général. Comme levier de pression sur les États, les régions mais aussi les communes, il offre aux investisseurs la possibilité de recourir à des tribunaux arbitraux qui échappent à tout contrôle citoyen, mais certainement pas à l'influence des milieux d'affaires. C'est la faculté de décider de notre avenir qui est mise en cause. Comment pourrons-nous faire évoluer la législation avec la menace d'avoir à compenser non seulement les frais engagés par les multinationales, mais aussi les bénéfices qu'ils escomptaient au cas où cette évolution venait à leur être défavorable. Tout cela appelle quelques questions. Quelle place demain pour la liberté si nous ne pouvons modifier nos lois que dans le sens qui convient aux investisseurs? Quelle place pour l'égalité si les investisseurs ont plus de droits que les citoyens? Quelle place pour la fraternité dans un monde de plus en plus compétitif? Pourquoi un tel acharnement à faire passer cet accord de la part de l'Union européenne? N'y a-t-il rien de plus urgent à faire que de donner de nouveaux droits à Monsanto, Total, Google? N'y a-t-il rien de plus urgent à faire que d'abaisser les normes de protection de l'environnement et de favoriser, avec l'augmentation des échanges intercontinentaux, le réchauffement climatique? Il semble pourtant que d'autres priorités soient à l'ordre du jour, avec cet appel que viennent de signer 15 000 chercheurs de 180 pays afin d'alarmer opinion et décideurs sur l'état catastrophique de la planète. Pour toutes ces raisons et pour celles que les autres intervenants vont à leur tour développer, nous exigeons que le débat passe au niveau du public et que la ratification du CETA fasse l'objet, en France, d'un référendum. On vous a déjà introduit l'accord qui a été négocié de façon opaque entre experts et lobby en huis clos, malgré des pétitions citoyennes qui ont rassemblé des millions de signatures et qui n'a pas été validé par le Parlement européen, mais pas par les parlements nationaux. Donc déjà, c'est un déni de démocratie. De quoi s'agit-il? D'un accord de libéralisation, c'est-à-dire d'élargir la concurrence. Le principe fondamental, c'est l'accès au marché, c'est-à-dire de garantir le moins de restrictions possibles à toutes les entreprises du marché sur tout le territoire du marché, c'est-à-dire l'Europe et le Canada. Il faut savoir que la technique de négociation retenue, c'est celle de la liste négative. Et ça nous intéresse pour les services publics. Autrement dit, tout est libéralisable, sauf ce qui a été listé. Et ce qui a été listé, ce sont les services publics fournis dans le cadre d'un monopole public d'État, le commerce des armes, celui du nucléaire, la santé publique, les services sociaux, quelques petites choses comme ça. Mais dans le fond, où est le problème? C'est que les services publics fournis dans un cadre concurrentiel jusqu'à maintenant restent dans le cadre concurrentiel. Les transports publics, les télécoms, les services postaux, les services sociaux et de santé hors système public, etc., etc., etc. Quid des conflits? Le CETA prévoit un mécanisme d'arbitrage. Donc pour régler un litige entre une entreprise qui s'estime lésée et un État, on ne fait pas confiance à une cour de justice nationale. On crée une instance particulière où on retrouve les mots de tribunal, de cour
et de cour d'appel, mais en réalité, tout est réglé par une liste de membres nommés pour 5 ans et renouvelables. Autrement dit, 15 membres internationaux des grands avocats d'affaires. Ils sont soumis à des règles d'éthique, mais ils ne sont pas soumis à des sanctions pénales ou de radiation, comme ce ne sont pas de vrais magistrats. Le texte a été modifié récemment, des efforts ont été faits, mais fondamentalement, rien n'a changé. Les multinationales peuvent donc attaquer les États qui introduisent une forme de régulation qui peut réduire leur rentabilité. Et le nombre de ces procédures soumises aux tribunaux d'arbitrage dans le cadre d'autres traités internationaux ont explosé ces dernières années. De plus, avec le CETA, une procédure de coopération réglementaire est mise en place. Qu'est-ce que c'est qu'une procédure de coopération réglementaire ? Le but, c'est de faciliter les investissements, SIC, et d'améliorer la compétitivité. Comment on fait ça ? On crée un forum de coopération réglementaire qui est chargé d'examiner au préalable toutes les dispositions qui pourraient avoir un impact sur les affaires. Et on livre ça au lobbying des entreprises. Autrement dit, même après la signature du CETA, on organise le marchandage des réglementations et on soumet les futures décisions politiques aux multinationales. Les conséquences prévisibles, c'est l'ingérence de l'industrie dans les processus réglementaires et la disqualification des considérations sociétales, politiques ou morales comme critères de choix. Pour la CGT, donc, le CETA est une menace pour la santé, la protection des consommateurs et les droits des salariés. Cet accord de libre-échange va plus loin que ceux qui sont déjà en cours entre l'Union européenne et d'autres pays de la sphère mondiale. Il intensifie la perte de souveraineté qu'a chaque État à établir ses règles de protection et fait notamment disparaître les droits de douane entre les deux parties. Rappel, les droits de douane ont été institués pour lutter contre le dumping économique, social et environnemental. Ces droits alimentent pour partie le budget de l'État et le budget de l'Union. Mais au-delà de la diminution, voire la disparition des droits de douane, l'accord prévoit un moins 10 ans en matière de protection des consommateurs, normes techniques, sanitaires ou environnementales, dont les douanes sont les garants. Il est fait mention de recours réduits à des instruments réglementaires ayant un effet de distorsion sur le commerce. Tout est dit. Rien ne doit entraver le commerce. L'effet combiné de la disparition des droits de douane et de la mainlevée sans contrainte des marchandises n'a qu'un seul objectif, faire disparaître les contrôles. Moins de contrôles égale un danger accru pour les populations. S'il n'y a plus de contrôle, si les normes disparaissent, la loyauté des échanges ne peut être garantie. Cela incite donc à délocaliser et produire là où les normes sociales et environnementales sont minimes, voire inexistantes, créant ainsi une concurrence entre les travailleurs et un moins-disant social. La CGT engage une campagne auprès des salariés, des groupes menacés par cet accord, ainsi qu'envers les citoyens, consommateurs des marchandises, qui pourront circuler plus librement avec ce nouveau projet de libre-échange. L'ouverture effrénée des marchés nationaux contredit la réorientation écologique de la COP21, en plus de violer la souveraineté d'une majorité des peuples. Le climat pâtit de la croissance des transports internationaux. La logique de moindre coût énoncée dans ce traité conduit à localiser les productions internes, déjà, vers les zones où les contraintes écologiques sont les moins fortes. Nous savons aussi d'expérience que les accords de libre-échange se font pour accroître les profits des multinationales et en défaveur des populations. C'est évident dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement, mais aussi en matière de protection sociale et de droit du travail. Ainsi, par exemple, on le voit, le principe du salaire minimum, la protection sociale, pourraient également être mis en cause s'ils sont considérés comme une entrave à la concurrence. Donc c'est bien entendu aussi favoriser la mise en concurrence des salariés avec des droits pour toutes et tous revus à la baisse. Le CETA accentuera ses régressions sociales, notamment par le biais des cours d'arbitrage qui permettent aux entreprises de faire des procès aux États trop protecteurs de leur population salariée. Le CETA fait aussi écho aux contre-réformes sur le droit du travail, engagées en France, comme vous le savez, avec Macron, mais aussi partout dans le monde, comme nos camarades de la CGT ont pu le constater récemment lors d'un voyage d'échange avec notamment les syndicats d'Argentine et du Brésil. Ces pays sont confrontés aux mêmes logiques, aux mêmes agressions contre les droits des travailleurs. Leur réforme du Code du travail est la copie conforme de celle des tendances Macron. Il s'agit bien de faire baisser les salaires pour augmenter les profits, principalement les profits des multinationales, les mêmes qui refusent de payer leurs impôts, et qui sont les premières à user et abuser des paradis fiscaux, comme vient de le rappeler une nouvelle fois le scandale des Paradise Papers. Il y a 100 ans, certains criaient tout le pouvoir aux soviets.
Aujourd'hui, la situation, c'est tout le pouvoir transnational. Donc, il est temps de dire non. Non au dumping social et environnemental. Non au CETA. Accord dit de nouvelle génération. Le CETA se traduira non seulement par une baisse des droits de douane, mais aussi par une réduction des barrières non tarifaires, concernant en particulier les normes sociales, sanitaires et environnementales. On nous promet le Pérou avec le CETA. C'est le nouvel Eldorado des adeptes du laisser-faire. Croissance, création d'emplois et hausse des revenus sont les arguments des défenseurs des traités de libre-échange, comme conséquence de l'augmentation attendue des échanges et des investissements étrangers. Ce traité favoriserait, à les en croire, la compétitivité des entreprises européennes, tout en étant, selon la Commission européenne, favorable aux consommateurs par des normes de qualité maintenues et des baisses de prix. La Commission européenne estime que le CETA devrait accroître de 25% les échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Canada, qui sont actuellement de l'ordre de 60 milliards d'euros par an, et entraînerait une augmentation du PIB de l'Union européenne de 12 milliards par an. Le cadre stabilisé d'investissement favorisé par le traité permettrait, toujours selon la Commission européenne, de favoriser l'emploi en Europe. Les études économiques qui soutiennent le CETA estiment que pour chaque milliard d'euros investis par l'Union européenne, 14 000 emplois seraient soutenus. En réalité, les sponsors du CETA nous vendent du vent. En fait, on est loin du grand bond en avant que représente ce traité. La plupart des études d'impact socio-économique annoncent en effet des gains dérisoires. Le traité euro-canadien augmenterait le PIB de l'Union européenne de seulement de 0,01 à 0,08 au bout de 7 ans, tandis que le traité avec les USA l'augmenterait de 0,3 à 0,5 à l'horizon de 10 ans à 20 000 ans. Donc ce n'est pas le Pérou tel qu'il l'annonce. Des chercheurs de l'université Tufts ont publié une étude prospective d'impact économique du CETA qui a alimenté les débats du Parlement wallon et a alimenté sa résistance à ce traité en réalité destructeur. Et les résultats de ces universitaires sont sans appel. Cette étude prévoit un détournement des échanges intra-Union européenne, une réduction de la part des revenus du travail au bénéfice du capital de 1,76% au Canada et de 0,6% en Europe, une stagnation des salaires. Selon ces recherches universitaires, en 2023, les travailleurs canadiens verront leur revenu annuel inférieur de 1776 euros par rapport à ce qu'ils auraient été sans le CETA. Dans l'Union européenne, ce même transfert de revenus des poches des travailleurs vers celles des détenteurs du capital s'élèvera entre 316 et 1331 euros selon le pays. Il y aura aussi un risque de perte nette de recettes publiques et de perte d'emplois. En 2023, environ 230 000 emplois seront perdus dans les pays prenant part au CETA, 200 000 d'entre eux dans l'Union européenne et 45 000 en France. Au total, après une petite décennie, le CETA pourrait faire perdre près d'un point de PIB au Canada en comparaison avec le scénario sans CETA et 0,50% du PIB à l'Union européenne. Il est à noter que malgré cette perte, les détenteurs du capital, eux, se trouveraient être les uniques bénéficiaires nets du CETA en raison du transfert du revenu du travail vers le capital. Et la France sera particulièrement impactée. 45 000 emplois en moins par rapport au scénario sans CETA d'ici 2023. Un produit national brut diminué de 0,2% et les revenus des ménages en forte baisse de plus de 1 000 euros par an en moins. Bref, des perspectives peu réjouissantes. Et l'agriculture devrait tout particulièrement en souffrir. Dès son entrée en vigueur, le CETA prévoit la suppression de 92,2% des droits de douane entre l'Union européenne et le Canada, 94% dans 7 ans. Lequel Canada, ses éleveurs notamment, est beaucoup plus compétitif parce qu'il ne respecte pas les mêmes normes que les nôtres, le principe de précaution n'existant pas au Canada. Précisons à ce titre que l'Union européenne a accordé une clause de sauvegarde au Canada en cas de problème avec son agriculture. En cas de problème avec son agriculture, sans le prévoir pour elle-même. Et enfin, pour couronner le tout, pour permettre aux multinationales de réaliser leurs profits juteux,
Il faut faire sauter les verrous qui entravent le libre-échange, qui entravent la réalisation de profits gigantesques. Et ces verrous, ce sont les droits sociaux existants en Europe. On a déjà un avant-goût de ce qu'il nous prépare. Ce fut la loi El Khomri en 2016. Ce sont les ordonnances du docteur Macron aujourd'hui. C'est la loi Peters en Belgique. C'est le Jobs Act en Italie. Partout, les droits sociaux sont passés à la moulinette. Partout, les garanties protectrices des salariés sont remises en cause et foulées aux pieds. Partout, ils veulent effectivement nous ramener plusieurs décennies en arrière, à l'heure où il n'y avait plus de contrat de travail, de façon à permettre aux multinationales de réaliser des profits absolument gigantesques. Ce sont toutes ces raisons qui font que nous nous opposons résolument au CETA et nous ferons tout pour l'empêcher. Parce qu'en fait, le CETA, on se rend compte qu'il n'est pas du tout compatible avec les accords de la COP21. La COP21 qui était déjà très peu contraignante, puisque vu que tout est sur la COP21, tout est aux conditions. L'exploitation des énergies fossiles et du fait rendra impossible toute intention déjà peu ferme de transition énergétique. L'extraction des sables bitumineux chers aux Canadiens et les dégâts irréversibles qu'ils occasionnent sur les terres, les nappes phréatiques et la santé des habitants environnants. Ce type d'extraction sera donc protégé par les dispositions de protection des investisseurs. On rappelle, au niveau de l'énergie, très gros enjeu pour les Canadiens. Ils sont quasiment indépendants au niveau énergie. Il faut savoir que le Canada est le 7e producteur d'énergie de la planète, ce qui est vraiment quand même pas mal. Le pétrole, sable bitumineux en Alberta, arrive au 4e rang mondial. Le gaz naturel, 3e rang mondial. Les extractions de charbon et d'uranium, 2e rang. Ça vous situe un petit peu l'intérêt des Canadiens à faire signer ce traité. On a déjà, au Canada, il y a déjà pas mal de procès d'entreprises contre l'État. Ça pourrait effectivement nous coûter très cher. Il faut s'imaginer un petit peu le Vinci et Notre-Dame-des-Landes, avec tout ce que ça implique sur les indemnités de retard et tout le bazar. Les frais de douane vont être supprimés sur les matières premières énergétiques. L'importation de pétrole issu de l'exploitation des sables bitumineux parmi les plus polluants de la planète est ainsi encouragé, de même que celui des gaz de schiste qu'on recule chez nous. Hein. Et tout ça au détriment des énergies renouvelables. Dans l'accord, il n'est nullement parlé des énergies renouvelables, comme ça c'est beaucoup plus simple. En bref, le CETA est en plus d'encourager le commerce et l'exploitation des matières premières énergétiques, prive désormais l'Union européenne et ses États membres de la possibilité de recourir à ses instruments politiques, les gouvernements, hein, dès lors que le Canada et ses entreprises seront concernés. Ça nous promet des procès à tout va. Le constat, le CETA est un frein au circuit court, à la réduction des émissions de CO2 associées, à l'emploi local et à la qualité des produits. Il aggrave la dépendance de nos économies aux énergies fossiles, hypothéquant une transition énergétique d'ampleur, faisant du droit commercial un droit supérieur aux droits de l'environnement et aux défis climatiques. La libéralisation est présentée comme la meilleure manière de protéger l'environnement. Vous apprécierez un petit peu la donnée. Les milliers de pages des accords du CETA, volontairement soustraits aux députés européens en son temps, doivent nous faire craindre d'une catastrophe économique et écologique pour l'Europe et bien sûr pour le climat. Il nous faut rester mobilisés, informés à chaque fois que ça sera possible, partout, les amis, la famille, tout le monde. Donc je vous encourage à venir nous aider parce que nous ne sommes qu'une poignée et l'enjeu est vraiment très crucial, quoi. Voilà, je vous remercie tous, merci aux intervenants, aux organisations non gouvernementales et aux syndicats qui ont participé à cette manifestation. Voilà.